présenter et parcourir cette carte qui tente de représenter pour moi ce qu'est le conte. D'emblée, cette carte, je lui fixe un point d'origine, c'est le moment où un conteur me raconte quelque chose. Donc, je ne tiens pas compte du conte écrit ou toutes ces choses-là, c'est le moment où un conteur me raconte quelque chose, qu'est-ce qui se passe et comment a-t-on pu en arriver là? Dans la mesure où, pour moi, ce qui m'importe, c'est qu'au moment où j'assiste à un conteur me racontant une histoire, la qualité de la présence, de la relation qui se passe à ce moment-là m'importe et j'aimerais savoir comment et sur quoi cette présence repose, en fait. Donc, à partir de ce point central en tant que tel, de faire converger tout ce qui pourrait aider à le définir et à partir duquel commencer le voyage, puisqu'une carte incite au voyage. Un premier axe, donc, celui du texte. Très globalement, le texte, c'est la représentation, c'est le moment. Le mot représentation n'est pas le bon mot, c'est la prestation du conteur qui me raconte, donc le conteur en chair et en os, corps et âme, me raconte son histoire. Ce serait globalement ce que j'appelle le texte. Et le texte n'est jamais tout seul, il est entouré d'un contexte. Et donc voici mes deux axes comme longitude et latitude, à partir duquel définir ce fameux point que je viens de présenter. Commençons par le texte. Il me semble d'emblée que tout repose sur un fondement, sur une toile de fond, sur un panorama très fort qui serait ce que j'appellerais la culture du récit. Je ne pense pas qu'un conteur puisse raconter impunément sans qu'il baigne en partie dans une forme de culture du récit et du récit oral plus particulièrement. C'est ce qui va alimenter fondamentalement autant sa quête de récit qu'il pourra récupérer dans le patrimoine que celui qu'il peut créer. Dans la suite des choses, avant d'atteindre ce point, il y a ce que j'appellerais la source, le point d'origine, le point de départ, où se situe le texte, à partir de quel texte, comment le choisir, etc. Déjà, deux choses peuvent se distinguer. Il y a toute une source, tout un thésaurus, on pourrait dire, de textes qui sont les textes qui appartiennent au patrimoine humain. C'est tous ces textes qui sont collectés, mémorisés, gardés depuis des millénaires, qu'on retrouve pour les avoir entendus ou pour les avoir lus quelque part. On est donc dans le patrimoine, je dirais, de l'humanité à ce moment-là, en général anonyme, qui vient de très loin. Ou d'un autre côté, le conteur décide de concocter, de composer sa propre histoire. Je le signale tout en relativisant les deux, puisque même un conteur qui utilise du patrimoine va y mettre sa touche de création. Et qu'un conteur qui crée sa propre histoire, c'est bien le diable s'il ne récupère pas, plus ou moins consciemment, des motifs qui le précèdent. Donc cette distinction n'est pas si nécessaire que ça, si ce n'est le fait que l'activité de recomposer un récit ne comporte pas les mêmes nécessités. Parlant du patrimoine, donc, c'est tout ce qui a trait, tout ce qui relève de ce que je pourrais appeler les archives, le collectage. Toutes ces manières de pouvoir mettre la main sur un texte existant déjà, qui pour moi appartiendrait à ce qu'on peut appeler un imaginaire commun, il est partagé. Et du côté création, il va falloir que le conteur, puisqu'il part d'un texte qui n'existe pas encore, d'un récit qui n'existe pas encore, sache en dessiner la trame avec la cohérence que ça demandera, et que ce texte, maman, puisque c'est le sien, relève peut-être davantage d'un imaginaire individuel. De voir comment les deux imaginaires, individuels et communs, peuvent s'associer, peuvent se compléter, peuvent se retrouver. C'est ce qui correspondrait pour moi à cette première étape du corpus. Comment définir un corpus, à partir duquel raconter quelque chose. Une fois que ce choix est déterminé, on commence à penser quel genre de type de récit on va faire. On passe à une deuxième étape, je dirais, du travail qui va nous mener jusqu'à l'acte même de conter, qui est celui que j'appellerais la composition, celui qui permet ou à partir duquel il faut penser l'organisation même de cette histoire qui existe mais qui n'est pas encore récit. Comment l'organiser pour qu'elle devienne un récit, celui qu'on va porter, celui que le conteur, bien sûr, décide de porter. Par composition, j'entends quelle serait l'intrigue de ce récit. Un récit repose sur une intrigue. S'il n'y a pas vraiment d'histoire, on va s'ennuyer.
je pense qu'il est important de veiller, surtout dans la posture où l'on est créateur de son propre texte, veiller à une forme de cohérence narrative. Et je l'indique car souvent, des gens qui n'y font pas seulement attention, qui n'ont pas trop l'habitude de concocter des textes, vont raconter des histoires dont on se rend compte que par certains détails, elles sont incohérentes, elles tiennent mal, et donc on décroche, nous qui les écoutons. Dans l'intérieur même de ce récit qu'on commence à composer, de cette intrigue, de cette accumulation d'actions qu'on va rencontrer, il y a forcément toujours du sens, qu'on en soit conscient ou non. Et donc ce serait tout ce niveau symbolique, la symbolique des péripéties, je dirais, qui importe, car c'est la richesse de ces symboliques, l'ouverture qu'elles présentent, qui vont permettre à celui qui entend d'être alimenté, d'avoir l'impression qu'il n'est pas venu pour rien, d'avoir quelque chose qu'il reçoit et qu'il aura lui-même à mastiquer, à songer longuement. Toujours du haut niveau de cette composition d'un récit à mettre en place, il repose, je pense, en partie sur l'intention du conteur. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Quelles sont les valeurs qu'il voudrait mettre en place? Donc il y a cette réflexion que le conteur lui-même de savoir quoi faire de ce récit, pourquoi ce récit, etc. Il y aurait ce que j'appellerais, au même niveau qu'il y a besoin de cohérence narrative, il y a aussi besoin d'une tension narrative, qui est le fait de penser qu'il faut que ce récit ait un certain suspense, qu'on ait envie de l'entendre, qu'on ait envie de le suivre, qu'on ait envie d'en savoir à la fin ou comment il se termine, avant de s'ennuyer. Il faut encore que ce récit, peu importe qu'il soit de l'imaginaire le plus débridé, celui où les animaux parlent par exemple, il faut que ce récit, si imaginaire et imaginé soit-il, propose une forme de crédibilité. Il faut qu'on accroche, il faut qu'on adhère à ce récit, nous qui l'entendons, et qu'on accepte que les animaux parlent sans qu'on en soit surpris. Donc la crédibilité va aller avec l'intérêt qu'on peut avoir autour de ce récit, et non pas l'impression que ceci a été bricolé d'une manière un peu artificielle. Ce niveau-là, j'appellerai, après avoir parlé de corpus, j'appellerai l'ossature. C'est ce squelette, quelque part, qui serait l'équivalent d'une canevas, par exemple, narratif, à partir duquel le conteur va habiller maintenant cette ossature, va lui mettre de la chair. C'est donc tout le domaine de l'expression. Comment va-t-il exprimer ce récit, cette matière? Quelle manière va-t-il lui donner pour nous la transmettre, pour qu'on puisse la partager? Au niveau de l'expression, quels sont les outils qui vont permettre l'expression? En premier lieu, je crois, il y aurait la voix, puisqu'on parle de conte et que la voix a beaucoup de place comme moyen d'expression. Mais très rapidement, je nommerai le corps aussi, car la voix n'est jamais toute seule, puisque le conteur nous fait le plaisir et l'honneur de venir en chair et en os, corps et âme, je disais. Son corps est largement aussi important que la voix, je dirais même un cran de plus, la voix est un des membres du corps, c'est une des extensions du corps, et donc le corps a vraiment une importance, je crois, fondamentale, qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas oublier que son corps est présent sur cette scène, et qu'il n'est pas totalement ni transparent, ni anodin, et que la manière dont on va l'animer, ce corps, appartient aussi au récit qu'on va raconter. Un corps n'est jamais tout seul, à part sa voix et ses membres. Le corps est toujours entouré d'un minimum, je dirais, d'accessoires. Le propre vêtement, le seul vêtement que porte ce corps est déjà un accessoire. On n'est plus tout à fait dans le corps, et pourtant, le fait de raconter sans vêtements, le contenu, on pourrait dire, est déjà tout un vêtement, vous voyez bien. Et donc, certains accessoires sont nécessaires, ce sera le vêtement, ce sera le foulard, ce sera la coiffure, ce sera les bijoux qu'on peut porter, et des accessoires qui pourraient être plus lointains du corps, c'est le verre d'eau dont on a besoin, mais c'est éventuellement la canne, la marionnette, tous ces objets qui sont à portée de main. Un accessoire, pour moi, est quelque chose de manipulable par le conteur, dont il éprouve plus ou moins le besoin, peut-être, mais jusqu'où ces accessoires sont légitimes. Si c'est accessoire, c'est pas essentiel, on peut dire. Et parfois, que certains conteurs vont s'entourer d'accessoires, peut-être plus comme prothèse pour s'aider à compter, que comme objet vraiment nécessaire à porter le récit. Ce corps lui-même n'est pas dans rien, il n'est pas dans un vide. Il est posé sur une scène, donc, qui elle-même représente une forme de décor. La scène sur laquelle on est, que ce soit une scène de théâtre conventionnée ou dans le fond d'une,
d'une bibliothèque le matin, ou d'une grotte, peu importe les lieux, le décor lui-même est présent. Il s'impose, le conteur n'a pas toujours le choix de ce décor, la colonne qui est là, on ne peut pas l'enlever avant que tout s'écroule. Il va falloir qu'il compose avec, qu'il pose son corps, sa voix, son récit, à l'intérieur, dans le contexte même de l'espace qui lui est accordé pour conter. Donc la scène, le lieu et la scène, peu importe qu'elle soit de plein pied ou qu'elle soit en hauteur, qu'elle soit conventionnée avec des spots ou qu'elle soit bricolée entre trois tables, la scène sera le lieu où le conteur compte, distinct en cela de ce lieu très proche ou plus ou moins proche de la salle, celui où l'écouteur est là pour l'entendre. Toujours du côté de l'expression, avec la voix qui est le matériau de base, viendrait la parole, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la voix, celle d'utiliser une langue qui va porter en grande partie le récit, l'histoire à nous raconter. Et je dirais, cette parole n'est pas anodine, je parle d'orature, un terme qui existe, qui est parfois un peu savant, qu'on enlève, le maintien, on reviendra un peu plus tard sur ce que j'entends par orature pour bien le distinguer de tous ces autres termes qui peuvent entourer la présence d'un texte lorsqu'il est dit, qui n'est pas le même que lorsqu'il est lu, d'un texte qui est préparé par l'oralité et non pas par l'écriture. L'orature pour moi est tellement importante pour désigner un texte qui vient d'une source orale et qui est destiné à être oralisé, mais le corps est tellement important dans cet acte-là même de dire le texte que je parlerai même de corporature. Corporature comme étant ce dispositif particulier qui serait celui de la corporalité, avec ce double sens de corps et d'oralité. Corporature serait ce qui va désigner le style, qui va désigner la construction même qu'on est en train de faire œuvre en racontant quelque chose avec son corps et sa parole principalement. Bien sûr que cette expression va elle-même être située dans une relation autant à l'espace que au temps, avec cette croisée possible entre l'espace-temps dans lequel on est au moment où on nous raconte, ça peut être une salle de spectacle quelque part, à Sherbrooke ou ailleurs, mais qui va rentrer en relation avec l'espace-temps du récit. Que si on m'amène chez Scheherazade ou Roméo et Juliette dans la salle dans laquelle je l'entends, il y a là la croisée de deux temps, ça peut être Bagdad il y a fort longtemps, ça peut être Vérone au XVIe siècle, tout ça va se retrouver dans un espace et un temps commun, celui de l'écoute que moi je ferai de ce conte. Cette dimension de l'expression, je l'appellerai après le corpus de base, après l'ossature qui est cette architecture du récit, la corporalité, ce moment où le récit prend corps, dans tous les sens du terme. Il y a une phase intermédiaire, je dirais, entre le moment où on a décidé quel type d'expression on emploierait, quelle parole, quelle voix, quel corps, quel vêtement, quel contexte visuel j'utiliserais. Il y a cette phase que j'appellerais celle de l'assimilation, ce que les Romains appelaient la memoria, tout ce moment où le conteur doit prendre en charge ce récit qu'il est en train de concocter, de se l'incorporer à tel point qu'il va être capable de le dire sans avoir un texte devant lui à lire ou une partition à réciter. Ce texte est tellement intégré qu'il le raconte directement à ceux venus l'écouter. C'est ce que j'entends par assimilation. Pour la préciser un peu, c'est là que vont apparaître tous les moyens techniques, mnémotechniques, à travers des répétitions, à travers du rabâchage, dirait Dia Darwish, qui sont toute cette période de maturation pour s'intégrer complètement ce récit de telle sorte qu'il sorte directement, et peut-être même dans l'urgence, du corps qui est là pour le dire. Donc notion de mémorisation, notion d'intériorisation, il faut que ce texte, même si ce n'est pas moi qui l'ai écrit, qu'il vienne de si loin, qu'il parle de choses très différentes d'où je suis, moi le conteur à ce moment-là, il faut que je me l'intègre, il faut que ça vienne de moi-même, de l'intérieur de moi, pour pouvoir être en mesure de l'exprimer le plus, je dirais naturellement, le plus spontanément possible, le plus directement possible. Tout cela correspond à un travail. Le travail des mots, le travail de mise en voix, quels sont les mots que je vais choisir, les niveaux de langue à partir de celles que j'ai, dans quelle mesure je vais utiliser ma langue comme celle d'un narrateur qui reste un peu loin de son récit à l'extérieur jusqu'au moment où ma voix va emprunter l'accent d'un personnage, au moins momentanément. Tout ce travail de choix de mots, de choix de ton, de prosodie, on pourrait dire, donc de la mise en voix. À cette mise en voix correspondrait
je crois, une mise en corps, c'est-à-dire tout le travail de la gestuelle, de la mimique, des déplacements, plus ou moins contrôlés, plus ou moins réglés, mais qui doivent être quand même assez assumés pour sembler naturels et non pas d'être, de donner l'impression d'être joué, car on n'est pas face à un comédien, mais face à un conteur, c'est ce qui le distingue aussi. Il peut y avoir la présence, dans cette expression, dans cette assimilation de cette expression, la présence d'un instrument de musique, c'est pas obligatoire, mais ça arrive. On pourrait nommer bien des conteurs, ce que j'appelle les musiconteurs, ceux qui s'accompagnent d'un instrument, eh bien, il faut bien qu'ils aient pris le temps d'apprendre à jouer de cet instrument et de le connaître assez pour que la mélodie qu'ils veulent en sortir à ce moment-là, qu'ils ont choisi pour accompagner leur récit, eh bien, qu'ils la connaissent. Tout ça appartient donc à l'assimilation, à l'apprentissage, à la maîtrise de cette expression, la voix, le geste, le corps, l'instrument. Les déplacements, je les ai nommés, donc tout ce qui correspondrait à la, après la mise en voix et la mise en corps, ce serait la mise en scène, pas forcément au sens théâtral très précis de repérage, mais la mise en scène comme étant ce corps est forcément dans un espace, il faut qu'il en soit conscient et qu'il sache comment utiliser cet espace et le gérer. Ultimement, je dirais que toutes ces assimilations devraient viser ce que j'appellerais le naturel, c'est un peu difficile à définir parce qu'on n'est pas complètement dans le présent du quotidien. Il y a quand même, on fait œuvre à ce moment-là. Et pour moi, l'orature justement n'est pas l'oralité simple, mais qu'on garde quand même cette dimension de spontanéité, comme si ça venait directement de nous-mêmes, comme si c'est pas tout à fait de nous-mêmes. J'emploierais le mot guise que j'aime bien. Le guise, on l'utilise très peu tout seul, à part le fait d'être à notre guise. Mais à notre guise. Et dans le bon sens, et son envers serait être déguisé. Et je ne pense pas que le conteur doive paraître déguisé. S'il me paraît déguisé, je crois que je passe à autre chose. J'aime beaucoup que le conteur soit à sa guise, autant dans le choix de sa voix, de ses gestes, de son vêtement, et de tout ce que je viens de dire, qui va permettre l'expression de ce conte. Le naturel, pour moi, renverrait à être à sa guise, et donc non pas ne pas être déguisé. Cette dernière étape, je l'appellerai l'incorporation du récit à l'intérieur de son propre corps pour être en mesure de pouvoir l'exprimer, justement. Ce qui nous rend prêt, normalement, à l'acte, pas final, puisqu'on peut le répéter, mais à cette première finalité, ce premier objectif que le conteur s'est donné, celui de la prestation, celui du passage à l'acte. Ça y est, il est prêt, il a tout fait. Toute cette préparation, tout ce travail préliminaire en amont, est prêt pour être en mesure de raconter devant un public, et c'est là où on se rend compte, car je suis moi dans le public. Cette prestation elle-même, on peut la préciser. Il est particulier pour moi que cette prestation, pour le conteur, renvoie une présence in vivo, on pourrait dire incorporée, un ici maintenant, très distinct de l'auteur. L'auteur, c'est pas lui qu'on va voir, c'est son bouquin. Là, le conteur est directement lié à sa propre œuvre et il se déplace pour la faire. C'est même différent de celle du comédien qui est derrière son personnage, ce qui n'est pas le cas du conteur, je crois. Il est de lui-même apporté son récit en présence de nous-mêmes, devant, il n'est pas derrière quelque chose. Dans cette expression, le moment où elle a lieu, le moment où moi j'y assiste, je dois y ressentir et je vais mesurer tout ce que j'appellerais la tension narrative. Dans quelle urgence, dans quel besoin profond, dans quelle précipitation, sans aller plus loin, le conteur est amené à me raconter son histoire. Il y a quelque chose d'intense à ce moment-là et donc j'y placerai la notion de rythme, la notion de tonus qui se combine très bien l'un l'autre. Un rythme est plus ou moins lent, plus ou moins rapide, plus ou moins fatigué, plus ou moins retenu, mais c'est toute cette dimension rythmique qui va bien me rendre vivant ce spectacle justement que j'ai devant et qui fait que ce n'est peut-être pas un spectacle, mais plutôt une rencontre. Relation à l'histoire. Je veux dire par là que le conteur lui-même, dans cette présence, au moment de sa prestation, entretient forcément avec sa propre histoire, le récit qu'il nous fait, une relation. Il est plus ou moins loin, il est plus ou moins dedans son récit, ou plus ou moins à côté, c'est la posture du narrateur, ou plus ou moins dedans, où il endosse momentanément la peau presque d'un de ses personnages, mais il ne fait que l'évoquer, que le suggérer. Il ne change pas de costume pour ressembler au personnage, il va en emprunter un aspect, la tenue, le corps qui va s'affaler parce que c'est un vieillard, ou qui va au contraire se rengorger parce que c'est un grand seigneur puissant. Le ton de la voix, le regard, tout le corps qui va emprunter
temporairement une partie du personnage qu'il raconte avec cet immense luxe du conteur qu'il peut sortir de ce personnage, ce que le comédien ne peut faire. Il va redevenir lui-même comme narrateur et s'éloigner de son personnage pour mieux revenir. Cette allée et venue entre l'intérieur de l'histoire et l'extérieur est une des grandes libertés prodigieuses du conte et du conteur. Relation bien sûr à l'assistance. Je reviendrai sur le mot assistance plus tard, mais le conteur ne raconte pas devant un mur, il ne raconte pas devant une caméra ou un micro, il est devant des gens, et cette présence de ces gens importe. Elle est là, elle fait partie presque, je dirais, de la partition, du partage qui se passe, c'est pour ça que je parle d'assistance, avec différents degrés possibles. Autre relation du conteur, celle qu'il a par rapport à lui-même, celle qu'il a par rapport à son histoire, celle qu'il a par rapport aux gens venus l'écouter, et celle qui englobe cet ensemble de cette rencontre, celle de l'environnement. On ne raconte pas, je crois, de la même façon, ni les mêmes histoires, dans une bibliothèque à 10h du matin, que dans un bar enfumé un samedi soir, ou dans un théâtre conventionné que dans le fond d'une grotte. Donc je pense que l'environnement dans lequel la prestation a lieu a aussi son rôle à jouer qu'on ne peut totalement négliger. Tout ceci, je crois, repose, de même que j'évoquais tout à l'heure le naturel d'être à sa guise, va reposer aussi sur une extraordinaire souplesse que le conteur doit savoir garder. Même si ce texte, à force de le rabâcher, il le sort presque intégralement comme il l'aurait sorti la veille, Michel Serres disait à propos de l'ordre et du désordre, « Comment voulez-vous qu'une montre suisse, la plus ponctuelle soit-elle, fonctionne s'il n'y a pas un petit peu de pagaille entre les rouages ?» Les horlogers appellent ça un ébat. Cette souplesse qu'il doit toujours y avoir pour que les choses roulent. Pendant longtemps, j'ai employé le mot improvisation, mais il m'a toujours un peu dérangé. L'improvisation, c'est comme si on réagissait à un extérieur un peu accidentel, jusqu'au jour où j'ai vu qu'il y avait un mot que le dictionnaire français me tendait depuis très longtemps, que je n'avais pas encore vu. Appelons ça la présence d'esprit. Et je pense que c'est tout à fait ça que je veux dire. Le conteur est là, oui, avec son corps et sa voix, mais j'ai dit corps et âme tout à l'heure, et donc son esprit. Et toujours dans cette vivacité, cette lucidité d'avoir quelque chose à raconter et d'assumer au mieux cette présence tout à fait extraordinaire et singulière qu'à chaque fois il rencontre au moment où il raconte. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des degrés de présence. On connaît bien les conteurs d'origine africaine, par exemple, qui ont besoin ou qui intègrent dans leur esthétique, je dirais, ce besoin d'interférer, d'interpeller le public. Il écrit qu'il faut répondre, il craque, si on ne répond pas, ça ne marche pas. Donc cette interrelation que les conteurs africains, dans leur culture, mais d'autres conteurs, l'idée de faire deviner un mot, de faire répéter, donc il peut y avoir ce degré de présence qui soit vraiment dans l'interaction, il peut y avoir un degré de présence qui soit dans, du côté direct, le conteur s'adresse directement, il regarde, non pas une personne dans le public, mais son public, et il est conscient par le regard qu'il partage. Il peut y avoir aussi des degrés de présence qui seraient indirects. Le conteur regarde plus son histoire que le public qui l'accompagne. Michel Denocq regarde très peu son public. Il est toujours un petit peu trois quarts arrière. Il est tourné vers son récit, mais il a toujours un peu l'oreille quand même très attentive pour savoir si son troupeau, je dirais, le suit, lui qui en est le berger. Donc, tous ces degrés de présence n'affectent pas la qualité de présence, ça la qualifie, ça la colore. Jusqu'au degré de présence qui serait tellement interne, tellement intériorisé, je pense à Mike Burns, le conteur irlandais, qui raconte la plupart du temps assis et qui ferme les yeux. Et il nous attire complètement dans son propre intérieur, là où se déroule le récit qu'il nous raconte. Et c'est pas parce que Mike Burns raconte les yeux fermés qu'on a l'impression qu'il est absent ou que nous sommes absents. Au contraire, cette clôture des paupières nous intériorise, nous met dans une situation extrêmement intime qu'on partage avec lui. Cette dernière étape, celui de la prestation, qui est l'aboutissement de tout ce travail, je l'appellerai l'incarnation. Le conte est incarné, on est vraiment dans un conte en chair et en os, toujours via le conteur. Et je dirais assez fort que quand on parle d'incarnation, on pense au premier texte biblique, et le Verbe s'est fait chair. Et c'est bien ça, le récit, le Verbe s'est fait chair, a été incarné, et c'est à ce petit miracle-là qu'on assiste quand tout se passe bien. Dans un premier temps, tout ce qui serait, je dirais, en aval de cette fameuse prestation, ce point rouge que j'ai nommé comme point d'origine, on pourrait englober tout ce que je viens de dire, toute cette préparation, d'un côté par la notion de style, c'est-à-dire que toute cette préparation, entre le choix d'un récit jusqu'au moment de le raconter, incluant toutes ces phases de concocter le récit, de trouver les moyens de l'exprimer, de celui de le mémoriser, de celui enfin de l'agir,
tous les chemins, disons, sont possibles, et c'est ce qui, pour moi, désignerait le style d'un conteur. Il va choisir lui-même, ce conteur ou cette conteuse, quel sera le chemin, je dirais, pour faire la métaphore, qui partirait de la source, comme une rivière, à son embouchure, la mise en bouche de c'est le conteur qui va choisir la fleuve, quelque part, à l'intérieur des différentes possibilités, qui va, je crois, correspondre à la multiplicité des styles possibles qui vont singulariser un conteur par rapport à un autre. Et d'un autre côté, je dirais que toute cette phase correspond aussi à cette longue, en général ça prend du temps, il faut bien dire, période, je dirais, d'appropriation, dans le sens très, très fort du terme, dans le sens très... C'est pas juste l'appropriation comme on volerait quelque chose, non, au contraire, c'est de le mériter, de faire sien quelque chose qui ne l'était pas forcément au départ. L'appropriation, pour moi, repose nécessairement sur le désir, c'est déjà Darwish qui m'a soufflé ce besoin de désirer entrer en contact avec une chose à tel point qu'on la fait sienne, qu'on se la rend propre à soi-même. Dans le mot appropriation, il y a le mot propre, c'est complètement important. Et je préciserai encore que cette appropriation, je la pense toujours comme étant réflexive. On ne peut pas s'approprier quelque chose sans que la chose en partie accepte d'être appropriée par nous et de nous approprier. Je dirais ça d'un ordinateur. J'ai beau le mettre à ma main, cet ordinateur, il va bien falloir que j'obéisse un petit peu à ses propres règles. L'appropriation va toujours dans les deux sens, et c'est ce qui se passe entre le conteur et son récit, entre le conteur et son public, ce double sens d'appropriation qui va faire qu'on pourra partager vraiment ce présent ici et maintenant et le partager complètement. Voilà pour cette première phase en tant que telle, tout ce qui est en amont de cette prestation. Mais la prestation n'est pas une fin en soi. Qu'un conteur raconte quelque chose à des gens n'est pas final, ces gens vont l'entendre. Et que donc il faut s'intéresser aussi à ce qu'il y a de l'autre côté de ce qui nous mène à cette prestation, c'est la présence, je dirais, de la réception. Cette réception, j'ai eu du mal à la nommer, on l'appelle le public, mais il y a un côté un peu froid, un peu distant. On peut l'appeler l'auditoire, mais pas juste que le conte n'est pas qu'à entendre, il est à voir aussi. Dans tous les termes, c'est encore le mot assistance qui me convient le mieux, parce qu'on assiste au conte, mais on assiste aussi le conteur. On travaille avec lui pour que cette histoire ait lieu, telle qu'elle va avoir lieu. Et je crois qu'il y a une part active de l'écouteur, c'est la place que j'occupe, à la fois pour recevoir ce récit, mais pour le partager, il faut moi-même que je me le mette en tête, que je fasse travailler mon propre film intérieur, pour faire en sorte que si ce récit existe, c'est que non seulement il a été porté par un conteur, mais j'ai dû en prendre le relais, car il n'existerait pas tout seul, autrement il tomberait comme une parole dans le désert. C'est pas... Autour de cette réception, il y aurait ce qui renverrait à l'environnement que j'évoquais, il y aurait ce que j'appelle les instances, qui pourraient renvoyer des circonstances. J'aime bien le mot instance, parce que dans le mot instance, il y a le mot instant. Et s'il y a le mot instant, c'est qu'il y a ce présent, ce hic et nunc, c'est ici et maintenant auquel j'insiste, sur lequel j'insiste, parce qu'il me paraît très important. Dans toutes les instances serait tout ce qui fait que ce ici, maintenant qui a lieu de telle façon, à tel moment et de telle nature, incluant l'ensemble des choses, finalement. Et puis au-delà de la réception, il faut prévoir aussi ce long fil qui ne s'arrête pas normalement, qui ne devrait pas s'arrêter, qui serait celui de la transmission. La première transmission du conteur qui me raconte à moi cette histoire, déjà il y a une première transmission, mais il serait dommage qu'elle reste là. Et que moi-même, étant un nourri maintenant de ces récits, il va continuer à travailler chez moi après, quand je m'en irai. Peut-être assez pour que je raconte à d'autres, si je suis un petit peu conteur, mais même si je ne le suis pas, cette richesse, cette alimentation de ce récit que j'aurai entendu va continuer à me faire travailler et il va continuer à vivre d'une façon ou d'une autre à partir de ce que j'ai entendu. Et ça, c'est la grande joie, la grande puissance, la grande force du conte. Et c'est pas par hasard que des contes qui aient été à un moment donné enclenchés il y a plusieurs millénaires, s'ils sont toujours vivants, c'est bien que cette transmission est toujours restée active et qu'ils ne sont pas tombés dans le trou vide d'un no man's land et d'un désert quelconque. Et donc cette notion de transmission a toute son importance, là encore, et dans cette carte que je peux placer, c'est une dynamique. J'ai à peu près fait le tour de ce premier axe, celui que j'ai appelé le texte, cet axe horizontal, mais il y a tout l'autre axe dans sa verticalité, celui du contexte, donc, qui vient à son tour, à la fois alimenter ou bien imposer différentes choses par rapport à ce moment, à cette action, ce point d'origine que j'ai noté. Il est lui-même à la croisée de cette longitude et cette latitude de ce texte et de ce contexte.